La trahison prend corps au sein de l'appareil répressif de la dictature congolaise. Les langues se délient au fur et à mesure. Denis Sassou Nguesso est malade. Conspué à l'international, l'administration militaire congolaise peu à peu montre une fébrilité, au point de remettre en cause l'autorité du dictateur. L'asphyxie financière que connaît le régime pousse certains officiers à coopérer avec les chancelleries étrangères pour mettre un terme à la souffrance du peuple. Plusieurs personnes travaillant au sein de la présidence congolaise, non, je dirais plutôt au sein du bastion du régime de Brazzaville, ont récemment témoigné des scènes étranges qu'elles ont assistées. Des sacrifices d'animaux, des quantités de sang humain versées aux quatre coins de la résidence du dictateur Denis Sassou Nguesso à Mpila. Des cérémonies simples qui ont jeté le trouble dans le cœur de plusieurs officiers de l'armée congolaise. Se sentant menacé, Serge Boa a décidé de rejoindre le clan des officiers qui veulent renverser la dictature congolaise. Serge Boa a peur pour sa vie. Il ne veut pas finir comme le général à Doua. Cet officier supérieur de l'armée congolaise tente de s'émanciper, mais reste prudent car l'épée de Damoclès pèse sur sa tête. Il aurait confié à des proches que le vieillard est fatigué et perd ses forces. Il est une porte d'entrée directe pour certains opposants congolais au régime du dictateur Denis Sassou Nguesso. Serge Boa et bien d'autres officiers de l'armée vilipendent à longueur de journée leur patron et souhaitent sa mort, disent-ils, pour mettre un terme au calvaire du peuple. Le climat de méfiance s'est emparé de la dictature congolaise. Denis Sassou Nguesso est en sursis. Le coup de poignard peut venir